Je m'appelle Mamadou Aliou Ba, président de l'association des jeunes unis pour le développement de Sahari dans la sous-préfecture de Sangaréa, préfecture de Pita. Ce qui a motivé ce projet, c'est la souffrance des élèves qu'on a constaté au niveau du village parce que l'effectif est devenu pléthorique. Donc l'ancienne école primaire qui a été construite par l'État ne peut pas supporter maintenant l'effectif qui est actuellement dans le village. Donc, vu ça, donc on a jugé nécessaire de construire une nouvelle école, malgré qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Mais en collaboration avec la communauté, on a commencé le travail en 2021. Actuellement, on est au niveau du soubassement. On a mis le soubassement, ça c'est terminé. On a fabriqué des briques, 3000 briques. On a acheté encore des 100 feuilles de tôle. Donc, on est à ce niveau. Ce qu'on a proposé comme solution, c'est d'organiser un concert humanitaire le 6 mai 2023 au niveau de Lambani, c'est M. Alpha VIP et Ex-Aldo, un complexe de loisirs. Donc après ce concert humanitaire, nous allons maintenant fixer un montant encore pour que chacun paye des cotisations individuelles. Plus maintenant, ce qu'on va obtenir au niveau du concert, on va essayer d'acheter les matériaux qui restent pour l'élévation du mur. C'est M. Ablaye Keïta, Tcherno Mamadou Ba, M. Malik Fadal, Fatou Tene officiel. Tous ces artistes ont promis qu'ils vont participer comme c'est un concert humanitaire. Ce que nous pouvons dire, c'est d'appeler tout le monde. Partout, il y a personne de bonne volonté de nous aider, celui qui peut nous acheter des ciment, ou bien du sable, ou bien des matériaux, par exemple le fer, les barres de fer, ou bien l'argent en espèces. Donc nous demandons tout le monde de nous aider pour qu'on puisse finir cette école et que les élèves quittent sous le hangar là où ils sont en train d'étudier et aller étudier dans des salles de classe dignes de nom. Ce que nous demandons à tout le monde de nous aider pour que cette école puisse finir vite. Ils sont en train d'étudier sous le hangar. J'ai même les images. Donc, ils sont en train d'étudier sous le hangar là-bas. Donc, c'est pitoyable. Vous savez, actuellement même, le soleil est très, très, très ardent. Donc, ce n'est pas facile de supporter ça. Et je vous remercie.